Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission sur les services français de Nahou TV. Tachon Fanton à l'écran. Mon invité ce soir, c'est Hariston Hessou, le gardien d'Ethiopie en Bouna. Hariston a été nommé le meilleur joueur béninois et volant en Afrique. On a parlé presque de toutes les choses. Restez avec nous. Hariston Hessou, bienvenue. Je commence par la question à propos de ta nomination. Tu as été nommé le meilleur footballeur évoluant en Afrique. Dis-moi un peu sur la nomination de ce titre. Je suis très content pour cette nomination. Parce que c'est pour la première fois que j'ai été nominé. Et c'est ça. C'est un site, un grand site au Bénin. Oui, non, donc c'est un grand site. Et c'est chaque année, on compense les meilleurs. Et l'année passée, je suis nominé. J'étais content. J'ai remporté même la première fois. Je suis content et vraiment content pour cette nomination. Ton sentiment, oui. Et le sentiment de ta famille. Oui, c'était bon parce que je suis vraiment content. Vous voyez, mon sentiment, c'est que je suis content. Vraiment content. Et toute la famille, toutes les femmes aussi, ils sont contents. Ouais, donc tout le monde était content. Mais je me dis, ça n'arrête pas là. Ouais, donc je dois continuer chaque année pour porter au moins quelque chose encore. Ouais, donc je travaille tous les jours pour ça. Pour ça, parce que c'est une grande. C'est pas le petit site qui sont au Bénin, non. C'est un grand site et qui fait ça chaque année. Ouais, non. Donc c'est ma première fois que j'ai été nominé. Ouais, non. Donc je suis vraiment content et avec toute la famille. Ils sont contents. Et ils me donnent le courage tout le temps. Ça, parce que ça n'arrête pas là. Dis-moi de tes parcours professionnels. Oui, mon parcours professionnel, c'est... L'enfance. Oui, l'enfance. Non, j'étais à un centre de formation. Donc, et j'ai commencé très très petit, vraiment. Donc j'ai commencé très petit. Je jouais dans au village, je jouais au village. On me dit, je jouais au village et même au village, je ne suis pas gagné le but avant. Moi, je n'étais pas gagné le but. Où est-ce que tu es né par exemple? Oui, je suis né au Bénin à Savé. Je suis né au Bénin. Et dans la ville Savé, la ville s'appelle Savé, quoi. Voilà. Donc c'est là-bas que je suis né. C'est là-bas que j'ai commencé à jouer. Donc dans les petits. Avant, je n'arrêtais pas. Je suis un joueur de champ avant. Ouais, non. Je jouais avant, maintenant. Et un jour, il y a un coach qui est là qui me dit, ah, il faut Hariston, il faut. La façon dont je te vois, donc tu ne peux pas. Tu peux arrêter. Enfin, je te vois. Donc c'est ça, j'ai commencé là. Je commence par arrêter un peu et ça a donné. Et je suis là, un jour, on a joué des matchs d'inter-village, ouais, non. Donc c'est ça, c'est de là il y a des gens qui sont venus, ils m'ont sélectionné, ils m'ont ramené à Cotonou. Ouais, ils m'ont ramené à Cotonou pour rester dans une centre de formation. Ouais, non. Donc, je suis resté dans une centre de formation et j'ai joué là. J'ai fait 2 ans dans le centre de formation et après j'ai gagné. J'ai vu un club m'a sollicité pour les accompagner en 3e division. Ouais, non. Donc c'est encore petit. Donc, j'ai joué avec le club après ça et le club de la ville, de l'ex-police, qui m'a sollicité encore. Donc, c'est de là que j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'ex-police. Ouais, non. Donc c'est dans l'ex-police que j'ai commencé. Et après l'ex-police, j'ai joué une saison là. Après ça, je suis parti et dans le club le plus titré du Bénin. Ouais, non. Donc dans le plus grand club du Bénin, quoi. Donc c'est les Dragons de Louis. Donc c'est eux
sont... C'est eux le plus grand club du Bénin. Oui, donc c'est parti là-bas. Je suis resté là-bas pendant 4 ans, 4 saisons. Okay. Donc après Dragon, je suis parti maintenant pour Congo, pour les Cheminots. Donc c'est de là que j'ai commencé. Donc je suis resté à Cheminots pendant une saison et c'est ça. Mon manager m'a sollicité pour ici, pour Éthiopie. C'est ça, je suis venu en Éthiopie et c'est ça. Haristan, le premier jour de la première ligue, cette année, tu as vu une carte rouge. Et Bouna, ou même ton raté la compétition 3-0 par des débits. Dis-moi de ta décision et de cette carte rouge. Pour moi, j'ai bien agi en ce temps parce que moi, je me suis dit, ah, on a, vous voyez, c'est un débit, c'est un mini-débit. On est débuté et on vient de commencer le championnat, vous avez vu. Maintenant, l'ascension là peut-être c'est à 15e minute, je crois. Donc, j'ai eu 14 parce que j'ai, moi, dans mon cœur, j'ai bien choisi. J'ai bien même fait ça parce que je sais que parce que si je laisse le ballon, c'est un but. Je sais que c'est un but, le ballon. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ça parce que je voulais garder l'équipe. Je voulais garder l'équipe, je ne voulais pas l'équipe en caisse. Oui, non, c'est pourquoi j'ai décidé. Ça, parce que je sais que même si je prends ça, l'arbitre peut me donner, l'arbitre peut me faire un faveur et me donner un jaune. Moi, c'est mon intention. Ouais, non. Mais je savais que c'est un rouge, hein. C'est un rouge. Mais je peux dire que peut-être l'arbitre ne serait pas dans son match. Il va me donner un jaune et après. Donc, et malheureusement, l'arbitre est dans son match. Il m'a donné, il m'a sanctionné comme il le faut, ouais, parce qu'il a droit, parce que c'est son qu'il a bien sifflé et il m'a sanctionné. Donc moi, dans mon cœur, c'est pour faire du bien au club, parce que même si je peux dire, je prends cadon, je sais pas, c'est un but, je prends cadon, je sors, et un autre entre, on peut jouer, parce que l'année passée, on a joué à 5e minute, et mon défenseur avait pris carton rouge. Et Boutana, il avait pris carton rouge et on avait géré ça assez bien de début de la. J'ai géré le match jusqu'à la fin. Et on a gagné le match là. Oui. C'est ça, j'ai pensé à ça. J'ai dit, on peut gagner le match parce qu'on a joué saison passée, 10 contre 11 et on a gagné. Donc si je sors, on peut gagner. Moi, c'est ça. C'est ça, j'ai pensé. T'as fait les calculs. Oui, c'est ça. J'ai fait bien les calculs avant de faire ça. Et après le match, qu'est-ce que tu as senti? Oui, après le match, j'ai regretté encore. Ouais, non. J'ai bien regretté parce que ce n'est pas ce que j'attendais. Je n'attendais pas ça parce que j'attendais à une autre chose. Hein. J'attendais à quelque chose. Si un autre entre, c'est fini. On peut, parce qu'à 10, nous sommes forts. On peut gagner le match. Moi, c'est mon intention, ça même. Ça n'a pas marché comme ça. Et j'étais frustré, vraiment frustré. Parce que je me dis, j'ai tué l'équipe. Moi, je me dis ça. Hein? Je me dis personnellement que j'ai tué l'équipe. Et c'est moi, maintenant, qui a mal choisi ma décision. Ouais, non. J'ai mal décidé. Ouais, non, c'est ça. Donc, mais après ça, le jour-là, c'est le jour-là seulement que j'ai regretté comme ça. Le jour-là seulement. Je disais, j'allais laisser le ballon entrer. Je reste là, même si on gagne 1-0, ou bien on peut remonter le truc-là. Ouais, mais malheureusement, ça n'a pas passé. Oui, parce que Ethiopia Bouna a raté les matchs consécutifs. Oui, on a raté depuis les matchs. 3 matchs. Oui, ça a un peu baissé le truc. Équipe, parce que je suis sorti après ça, ils ont donné 3-0. 3-0 là, ça ne monte pas bien. Voilà, ça ne remonte pas le moral. Voilà, c'est ça. Cette même décision a été prise par Bahailou ce dimanche contre Bouna, le défenseur de Mekalakia. Même décision. Ouais. Donc, Il a choisi parce que même décision. Ouais, parce que les mêmes décisions. Ouais, parce que lui, il se dit, il
faut que peut-être Abid va lui donner 14 jaunes ou ouais, donc il va prendre le ballon peut-être. Le gardien va arrêter le pénalty peut-être. Hein, c'est jamais. Ouais, donc lui-même voulait sauver l'équipe. Hein. C'est pas sa volonté, non, c'est tout juste pour sauver l'équipe. Donc il avait pris la même décision. C'est lui-même voulait sauver l'équipe. Ouais, donc c'est pas lui-même pas savoir aller prendre carton rouge ou aller faire tout là. Ouais, lui-même empêchait le but. Empêcher le but, ouais. Donc ça arrive et moi j'ai déjà oublié. Pour moi, j'ai déjà oublié depuis. Parce que depuis le jour là, la nuit là, j'ai oublié. Oui, donc il faut qu'il lui-même oublie. C'est le jeu, c'est le football. C'est le football.